Nous avons procédé dans un premier temps à l'évacuation de tous les encombrants et tout ce qui pouvait être volatile et dangereux. Voilà, travaux qui ont été effectués cet après-midi. S'en suivra un barriérage et suite à une détermination d'un périmètre de sécurité avant de réouvrir une partie des parkings à la circulation et au stationnement. Le périmètre de sécurité intègre d'éventuels affaissements. C'est-à-dire on ne rend pas la surface précédente. Nous espérons qu'il y ait de nouveaux repreneurs dans des délais très brefs qui pourront procéder à la déconstruction du bâtiment.